Salut Renko, je te fais une vidéo réponse à ton à ton rev à ta revue de Naruto Ultimate Ninja Storm 2. J'ai vu ça, puis ça va l'air intéressant. Puis comme je t'avais jasé, ben je te disais que j'allais faire une vidéo de réponse là-dessus. Donc je t'allais louer le jeu. Là, présentement, je viens de le démarrer, je viens de finir de l'installer. On va regarder voir de quoi ça a l'air. Je vais donner mon opinion sur ce jeu aussi, mais que on soit rendu là. Je risque de faire un peu de montage à travers aussi, fait que s'il y a des bouts qu'on dirait que ça coupe, ça c'est normal, c'est parce que j'avance dedans s'il y a des bouts qui sont longs. Donc, bon, on commence par rentrer dedans. Là, il n'y a pas de save, c'est normal. Fait que je suis allé configurer le jeu, aller modifier un peu les touches pour que ce soit quelque chose qui soit plus à mon style. On va essayer ça tout de suite. Ultimate Adventure. Ouais, j'ai mis les voix en japonais parce que c'est ceux-là que j'avais. J'ai écouté un peu l'anime. J'avais déjà écouté l'anime, mais j'avais jamais écouté l'anime, disons, traduit. J'ai toujours écouté avec des sous-titres. Là, on va continuer avec la tendance. Ouh, ça vient de sauter. Pour ce qui est de Naruto Shippuden, j'ai pas écouté full la série. J'ai écouté un peu le premier Naruto. Le seul bout que je me suis rendu dans Shippuden, c'est justement quand elle, Sakura, se bat contre le marionnettiste que j'ai aucune idée comment ça s'appelle. Je pense que c'est Sayori, c'est pas du tout que je vois. Puis, il fout une de ses volées. Pas de cash, fait qu'on ne sert pas. Bon, ok, on navigue un peu, on va voir qu'est-ce que ça donne l'impression au premier. On est par là-bas. Bon, on passe sur là qu'on est supposé avoir une map. Ouais, map de la région. Ouais, comme il disait, la vue est pas mal statique. Point vert. Ok, ça c'était un safe point. On va sauver ça là. Ok, c'est bon. Non. On vient juste de commencer, franchement. On est dans la petite ruelle, ça mène où ça? Ah, on va clencher direct pour. On va avancer un petit peu, là. Ça va être platier, je pense que. C'était sûr que ça était apparu, je pense, ouais. Ok, bon. On va dire quel objectif. Ah, l'apparence du village est vraiment dessinée. Ça paraît bien, ça va vraiment passer à l'anime avec les personnages qui sont en 2D ben, en 3D à travers un environnement 2D. Mais c'est pas pire, par exemple, la fille, cette, là. On bouge, puis la vue baisse. C'est un bon petit truc. Bon. Unable to awaken. Aucune idée que ça veut dire. J'ai aucune idée comment ça les affaires marchent, fuck. Aucune idée comment je fais mes attaques, fuck. Ça, j'ai aucune idée comment j'ai fait ça. Et
combat me fait quasiment penser à Tales of Symphonia. Les combats sont quand même assez intuitifs. Okay, on va rentrer les commandes. Il n'est pas venu à ça là. Ok, ouais, je pense que c'était... Ouais. Il n'est pas là, ouais. Ok. Un petit peu. Il y a du stock à ramasser partout. Toujours des petites conversations entre les scènes aussi, c'est bien ça. Ah, c'est lui. Ok, fait qu'on peut décider aussi c'est quel type de d'alliés qu'on peut avoir avec nous autres. Ben pas vraiment, ben on peut choisir dans la liste les des personnages quels qu'on va avoir en support, puis aussi quel type, comme là, balancé, offensif ou défensif. Support, je pense. En tout cas. C'est fun. J'aime bien ça. Condition de victoire, gagner le combat. Oh boy! Ok, je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'était cool. Bon. Cette fois-là, on s'essaye en mode free battle. On va voir ce que ça va donner.
J'imagine que ça va être un petit peu plus intense. Je me dis, ce qui est intéressant à voir, surtout sur les vidéos, c'est du combat. Puis à date, le système de combat il est cool. C'est sûr que personnellement, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je vais sûrement apprendre à mesure. Oh boy, que je vais me faire ramasser. Bon, cette fois-là, je laisse runner le combat avec les computers. Wow, on va watcher un petit combat là, de plus en l'air. À date, je dirais que le jeu. Il me surprend. Sérieusement, je n'entendais pas grand-chose. Disons que les jeux de franchise, d'habitude, sont plus des cash-in, mais dans ce cas-là, le jeu est vraiment le fun. Ben, content que tu m'aies fait connaître ça, Renko, ça va la peine. Vu que j'ai loué, je vais sûrement en profiter pour jouer pas mal dessus. Puis sûrement en fin de semaine aussi. Donc je te remercie beaucoup d'avoir d'avoir fait une revue de jeu là. On m'a fait découvrir de quelque chose d'assez intéressant. Et sûrement s'ils sortent une nouvelle version à un bon moment donné, disons numéro 3 de la série, je vais peut-être penser à l'acheter. Mais aussi en attendant. Je te remercie beaucoup d'avoir revu le jeu. Je suis pas mal sûr que je vais m'amuser. Puis c'est pas mal tout, ouais. Merci beaucoup, Renko.